Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD. Aujourd'hui, nous attaquons à la troisième mission de la campagne de Moctezuma qui s'intitule Quetzalcoatl. Quauhtémoc, guerrier jaguar de Tenochtitlan, parle. Encore un présage. Le lac autour de la grande cité de Tenochtitlan se met à bouillonner comme s'il était surchauffé malgré l'absence de vent. Son abondante écume baignait les maisons de la cité, dont la plupart finissaient par être englouties dans le lac. J'ai accompagné nos dignitaires à la rencontre des nouveaux arrivants. Nous nous sommes dirigés vers la côte, traversant le territoire ennemi des Tlaxcalan. Au sortir de la forêt, nous fûmes accueillis par les étrangers qui avaient gardé leurs armes à portée de main. Je leur ai expliqué que nous étions des Aztèques, représentants du grand Moctezuma. Leur chef nous a dit que ces hommes étaient espagnols et qu'il s'appelait lui-même Cortés. Il paraissait toutefois satisfait que nous l'assimilions à Quetzalcoatl. Si leurs armures et leurs animaux paraissaient venir d'un autre monde, eux-mêmes ne me donnaient pas l'impression d'être des dieux. Nous avons offert à Cortés de superbes pièces de coton et des plumes, mais il semblait surtout intéressé par les objets en or. Il n'a cessé de nous demander s'il y avait encore de l'or à Tenochtitlan. À ce moment-là, Cortés avançait déjà sur le territoire des Tlaxcalan, et un début de guerre avait vu le jour entre ces derniers et les Espagnols. Cependant, après avoir entendu parler des dimensions de Tenochtitlan et du nombre de nos courageux guerriers aztèques, Cortés a proposé aux Tlaxcalan de s'unir aux Espagnols pour nous attaquer. Ah là là, ces méchants Espagnols. Bataille de Tlaxcalan, actuellement au début de partie, les Espagnols ne feront rien. Donc la forêt a énormément de jaguars, donc faut être prudent. Tabasco est votre allié, mais va rapidement être rasé. À droite, à l'est, il y a Cortés, et à l'ouest, il y a Tlaxcalan. Et le troisième conseil, n'abattez pas les bêtes espagnoles, vous comprendrez très vite pourquoi. Donc Moctezuma dispose d'une forteresse, là où on est, au sud. Au centre, il y a une énorme falaise, donc il y a beaucoup de falaises, beaucoup de cols, donc qui limitent les déplacements. Donc là, ça reste la route à l'ouest, et à l'est, c'est l'espagnol. Tlaxcalan est surtout composé d'archers, de tirailleurs, de guerriers menés par des moines. Leurs positions peuvent être inventées par une attaque rapide. Les Espagnols sont bien plus puissants et pour abattre leur cavalerie leur épée, vous devrez utiliser des armes de chef et leur forteresse contre leur canon. Vous pouvez aller jusqu'à l'âge impérial. Nous ne connaissons pas les intentions des arrivants espagnols. Pour l'instant, nos ennemis sont les Tlaxcalan. Donc ici, on va 1, 2. Donc vu qu'on peut à l'âge impérial, vous pensez bien que j'ai en profité énormément. Alors les Espagnols ont accès à la technologie des bombardes, n'oubliez pas. Et donc des avantages et inconvénients liés à cette technologie. Enfin, surtout les avantages qu'ils ont par rapport à nous. Mais ça posera pas un problème du fait qu'on peut à l'âge impérial. On peut facilement les... Je vais pas dire retenir, mais on peut facilement trouver une parade, en fait. Donc moi, je conseille toujours de faire 5... d'utiliser tout votre ordre de début pour faire des guerriers. Un petit conseil personnel. Comme ça, vous avez une petite force de frappe pour vous défendre. Pas trop mauvaise, hein, 4-4, enfin 8 de dégâts, 1 d'armure, donc c'est déjà pas mal. Comme c'est des éclaireurs, ils attirent pas l'attention des jaguars. C'est comme une cavalerie d'éclairage. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est très vite faire énormément de bouffe. De mémoire, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, déjà 10, c'est plutôt bien optimisé. Et j'ai toujours pas réussi à trouver le bonus de dégâts. Les Espagnols attaquent nos alliés de Tabasco. Nous devons leur venir en aide. Ils peuvent s'en sortir. Premier raid, ils peuvent s'en sortir. Par contre, mémorisez bien tous les emplacements de pierre, ça vous sera très utile par la suite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'en ai bientôt 12. L'or aussi, mais
Je suis vraiment en train de faire un gros scouting parce que c'est une map que je n'ai pas repréparée. J'aurais pu la repréparer, c'est vrai. Mais je me suis dit que c'était pas nécessaire, que je connaissais assez bien cette mission et qu'elle était pas... En ça, moi, je la trouve pas compliquée par rapport à d'autres missions qu'on a pu voir auparavant. Donc là, c'est là où ils sont arrivés. Il y a encore un peu d'or ici, mais comme vous voyez, il y a beaucoup d'endroits où... Ici, c'est en reproduction. Ici aussi. Voilà, c'est assez important quand même de scouter, d'avoir une idée de ce qui se passe. Nice. Et c'est un vieux alpha de plus, donc pour le bois. Nous allons lancer la production du bois maintenant. Après la nourriture, le bois. On notre allié peut survivre, hein. Honnêtement, vous l'envoyez, vous faites un château chez lui, il survivra. Ah non, ils font aussi des galions, ils ont aussi des galions à canon de mémoire. Ouais, c'est des galions à canon. Quand ils enverront attaquer le forum, il sera mort. Mais enfin, vous pouvez attaquer ici en fait le galion à canon, si vous gérez bien. Ici, j'ai commencé à rapatrier mes villageois déjà. Ah, ici, normalement, il doit en rester un seul non occupé. Voilà. Quoi ce problème, attendez. Fermier. Ah, j'ai fait plus de fermier que ce que je pensais. D'accord. Moi, c'est pas... Ça va juste accélérer un peu plus vite mon exploitation de ressources. On va pas s'en plaindre de plus de ressources qu'après. Là, le galion, vous attendez qu'il se rapproche et vous... Mais de mémoire, vous n'avez pas de bonus d'attaque contre la cavalerie. Guerriers, pour moi, ils n'en ont pas. Hein. Par contre, cette pierre là, on va en faire 8 aussi. Le but c'est vraiment d'essayer de survivre, on va pas se mentir. Là on va essayer maintenant. Là maintenant on va commencer à barricader un peu les... Quoique pour l'instant, pas de soucis, on va pas barricader d'accès. Si je peux jouer sans barricader d'accès, ça m'arrange. Voilà. Donc, notre allié est à... Tabasco peut être un bon petit soutien, un bon lieu. Si on arrive à détruire ces galions à canon, croyez-moi, ce sera déjà un excellent point pour nous. Voilà.
eux ils vont attaquer, parfait. Voilà. Lance, je me débrouille bien, j'aide bien notre allié. C'est beaucoup d'aléatoires qui rentrent en compte dans cette mission. Par exemple, si on arrive à aller sur un navire déjà, c'est déjà pas mal. Un navire de moins. Ouais, je trouve ça déjà très bien d'avoir éliminé un navire. Il y en a qui seront d'accord ou non avec moi, mais je trouve que c'est pas un exploit, c'est déjà un bon petit soulagement de se dire ah bah finalement il y aura qu'un navire en face de nous, il n'aura pas. Enfin... Ah ben, j'avais totalement oublié qu'il faisait des raids. Mais... Attends d'avoir exploité assez de. Non, c'est pas grave. L'avantage que je vais en tirer de tout ça. Avoir dégommé les deux galions à canon, enfin les trois même. Parce que j'ai perdu un seul bûcheron, j'ai un vieux à venir occuper. D'accord, il manque à fermer. Il a dû être occupé à mon avis à... Bah donc ici... Ouais c'est pas trop grave encore, on a le temps de reconstruire un château. On attend plutôt de construire notre château. C'est vrai que j'ai vendu à l'arrache de... C'est sans espoir. Les bêtes et les armes espagnoles sont plus puissantes que nos guerriers. Tabasco est perdu. Pourquoi ils sont sereines? Les armées espagnoles sont dangereuses à cause des animaux qu'elles montent au combat. Si nous pouvions capturer ces animaux, les Espagnols seraient beaucoup moins dangereux. Le problème, c'est que Tabasco vient d'en tuer un bon petit nombre. Merci Tabasco. C'est juste pour ça que cette mission elle est chiante et bête. C'est pour ça que généralement moi je vous conseille. Voici le parc où nous garderons les chevaux espagnols capturés. Je vais vous dire un truc en toute sincérité, n'hésitez pas à laisser Tabasco mourir sans l'aider. Ça je peux voir un peu. C'est pas forcément grand. Voilà, donc normalement il faut faire un château ici. Nos éclaireurs ont confirmé que les Espagnols et les Tlaxcalans ont formé une alliance contre nous. Nous devons maintenant combattre ces deux ennemis. Oh, c'est cher. C'est pas grave. Ça va le faire. Donc on sait un bon petit nombre de châteaux, on va commencer après à l'âge impérial, à faire régler. Mais voilà, c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'ils jouent toujours les chevaux et... Enfin bon, pas grave, c'est le jeu.
Voilà, donc ici on va en mettre 12 en réserve. Normalement le prochain coup on sera à l'âge impérial, donc on aura des fermes de dernier niveau donc, qui apporteront beaucoup de nourriture. Tabasco par contre. J'ai envie de vous dire, n'aidez même plus Tabasco et laissez-le mourir, comme ça vous pourrez récupérer ça. Enfin, vous pourrez récupérer les chevaux. Je pourrais peut-être attaquer le forum sans souci. Faudra réfléchir, mais je pense que le forum est un peu trop près, donc il faudra sûrement des trébuchets. De toute façon, nous, c'est direction âge impérial. Hein. C'est économie pour âge impérial. Je vais même être gentil, je vais même accélérer le processus en vendant un peu de pierre, tout ça. À la vitesse que la Pierrac est absorbée. Voilà. Mais bon. Nourriture bois, on a de bons petits stocks là. Enfin, surtout en bois. Donc là, je peux en refaire 20 si je veux te faire. Ça en avisera plus tard. Là, il nous faut un peu de place pour ceci. Et honnêtement, les Espagnols, je vais probablement les raser. Sauf si ça m'est à marceler comme ça. Ah, vous pourriez. J'aurais dû bloquer les murs. J'aurais dû bloquer cet accès, ça aurait été moins problématique après. Parfait, plein de pierres là-haut. Soit par là, nouveau plus de pierres encore une fois. Et là, je vais mettre aussi des mineurs d'or. On va répartir un peu entre les deux. C'est un meurtrier. On n'aura pas besoin. Peut-être vendre un peu de nourriture. On en fait 6. Ouais. On va vendre aussi avec un peu de bois. Parce que. Et on va faire ça. Il y a plein de trucs qui sont pas du tout rentables, mais bon, j'ai pas le choix. Hein. Pas le choix. Là, il vise à tout prix le marché.
comme habituellement. Je sais pas pourquoi il marchait. En soi, je... Je sais pas qu'est-ce que fait le marché pour que ça les énerve autant, mais c'est toujours le marché qui focus. Là, mon erreur, c'est que j'aurais dû mettre des murs, comme j'avais dit, ici et ici. Mais je l'ai pas fait. Là, je suis en train de payer le prix. Allez, je suis encore une fois limité à 75 de pop. Par contre, cette limitation à 75 de pop est vraiment chiante. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait aussi un cochon ici. 10. Ah, voilà. Ici, on fera. Ouais, on va faire un château ici. Avec même en recherche de meurtrière derrière. Cortez qui peut. Passage impérial, c'est tout à fait normal ça. C'est pas grave, ici niveau ressources on est bon. Enfin niveau plutôt nourriture ça passe bien. Le bois, bon ça c'est un peu fastidieux mais ça va aller. Niveau protection de notre domaine, on est plutôt bon. L'infanterie. Prends ça, on est bien en train de revenir économiquement sur les adversaires, donc c'est bon. Il faut savoir que les Aztèques ont surtout dessiné, non pas à cause forcément que des armes avec les Espagnols, mais surtout à cause des maladies. C'est surtout ça le gros fléau qui va toucher les Amérindiens, même de manière générale. Hein. Menaçante hein. Ouais, ils vont vous harceler. Vos châteaux seront là pour les bloquer et les embêter. Donc faut pas hésiter. Ça par contre, guerrier glorieux, c'est ça? C'est vraiment quelque chose de très agréable avec les Aztèques, du fait que c'est une faction à base d'infanterie. Donc c'est sûr que si on rajoute plus d'attaques à l'infanterie, c'est agréable. Voilà. 10. Ils sont juste qu'est-ce qu'ils ont une attaque démesurée. Remplir entièrement. Bon, bah heureusement, je gagne l'augmentement maintenant. Enfin, maintenant. De manière générale, l'augmente toujours lentement cette mission. Le problème, c'est qu'il me faut de la pierre encore pour faire quelques châteaux. J'ai envie d'être prudent. Il y a bien deux recherches qu'il faut que je fasse, cette recherche de balistique qui serait très important. Même celle-là,
guerrier glorieux. Quoi, de toute façon là, on est en train de repasser par une toute nouvelle ferme là qui va vous produire bien plus de nourriture encore une fois. Voilà, donc on va faire cette recherche là. Ah, j'ai pas encore fait cuire, c'est pour ça qu'ils sont si lents. En fait. D'accord, ils ont fait un demi-tour d'aller tout. Bon bah, on va vite produire la guerrier jaguar dans ce cas. Il aurait été plus rapide de passer par là, mais bon. Voilà, guerrier avec Delic, 9 plus 4. Voilà. Donc au lieu d'avoir 4 plus 7, on a 9 plus 4 avec eux. Au lieu d'avoir 11, on a 13. Peut-être faire un deuxième château ici, comme ça bloquera davantage les Espagnols. Ah, je sais pas, j'hésite.